Et salut à tous, c'est The Ben Workshop. Alors, juste avant que la vidéo commence, je vais faire des petits points, des petits trucs qui sont changés dernièrement, où il y a des trucs. Voilà, j'ai pas envie de faire un truc trop long. Alors, là, comme vous aurez pu voir juste après, l'intro qui va suivre, c'est encore une ancienne intro avec un ancien nom qui était l'atelier de Monsieur Benoît. L'atelier de Monsieur Benoît, etc. Voilà. Mais que là maintenant sur YouTube, sur mon Instagram, c'est The Ben Workshop. Pour l'instant, ça reste comme ça, parce que c'est encore l'ancienne intro. Et justement, en parlant d'ancienne intro, ça va changer. Il y a une nouvelle intro qui est en train de. Je suis en train de travailler dessus. Une intro de fou qui est en train de se préparer, qui est hyper lourd, vu qu'une musique top avec un effet, etc. Bref, un truc. Du lourd, du lourd, du lourd. Un truc, une intro, mais vraiment, vous allez voir, c'est un truc de fou. Mais par contre, vous pourrez voir à la fin de cette petite vidéo que j'ai enfin fini. J'ai fait une intro de fin de vidéo, et ça, vous verrez à la fin de la vidéo. Après, il y a un nouveau truc qui se prépare. Je suis en train de me faire un site internet pour comment dire, un site pour des projets que je peux vendre. Si vous êtes intéressé, des projets personnels, je vais pas mettre dessus, peut-être les présenter sur le site, mais ce sera pas à vendre. De toute façon, vous allez voir s'il y a le prix qui est à côté, avec le nom du projet, en face, vous voir une photo avec. Bon, je vais faire une vidéo façon présentation de mon site quand ce sera terminé. Pour l'instant, je suis encore en cours de travail dessus. Je suis en train de travailler encore dessus. J'ai envie de vraiment faire un truc propre, bien travaillé. Moi, je suis à fond sur ça. Je suis hyper sincère avec ça. Je suis vraiment à fond dedans. Alors, je veux vraiment bien le faire. Et petit dernier truc. Alors là, j'étais un peu dégoûté. Ça a changé à la dernière minute. Ah, cool, il y aurait déjà YouTube. Non, mais non, c'est une blague, mais non, je vais pas arrêter YouTube. Non, j'étais dégoûté. J'ai une mauvaise nouvelle, j'étais un peu dégoûté, j'ai commencé à réfléchir, je fais comment, je fais comment, je fais comment. La vidéo, la toute première vidéo que j'ai faite, juste après l'intro, parce que j'avais fait une vidéo de la présentation de l'intro, après j'avais fait une vidéo d'un projet qui était au-dessus de mon lit, et en fait, j'ai eu un changement de programme à la dernière minute, c'est que j'ai eu un nouveau lit et qui était plus la même, il était un peu plus grand en hauteur, avec trois tiroirs, avec un bac en dessous pour faire dormir un ami ou autre. Et le truc, c'est qu'il n'y a plus de dossier comme l'ancien. C'est juste un tout petit dossier en fait, mais vraiment tout petit petit, vraiment où je peux mettre mon oreiller par-dessus. Mais il est en arrondi, c'est un fait un peu en arc de cercle, mais très léger. Et du coup, mon projet, il tombe à l'eau en fait. Du coup, je suis un peu embêté. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Là, je vais plus faire d'autres vidéos sur ça. Je vais le laisser. Comme ça, vous pouvez, vous l'aurez juste sur mon logiciel, la vidéo. Si vous êtes intéressé pour avoir un truc comme ça, où vous avez un lit, comment dire? Qui est comme ça, quoi, je veux dire, avec un grand dossier comme ça, comme vous l'aurez vu dans la vidéo. Mais là, moi, pour mes trucs personnels, je vais pas m'embêter, je mets juste des étagères dans le mur, je vais essayer de trouver un système pour le fixer. Du coup, ça vous aurez, je sais pas, je pense que je vais peut-être mettre sur Instagram quand même, pour que voilà, vous pouvez voir un peu le changement de voilà quoi. Que je vais vous faire une vidéo de. J'ai pas fait une photo de mon ancien lit, mais bref, ouais, c'est pas grave, voilà. C'est pour vous, juste pour vous dire que là, je suis un peu dégoûté. J'ai fait une vidéo comme ça et que là, c'est tombé à l'eau, qu'il y a eu un changement à la dernière minute. Bon, je suis vraiment désolé. Je vais pas vous embêter plus. De toute façon, j'ai tout dit au sujet de mon intro, de mon site, de ce petit malentendu, de cet projet que je vois là, mon projet numéro 1. Là, tant pis, hein, la vidéo que vous aurez vue, vous allez voir juste après, c'est le projet numéro 2. Je sais pas vraiment si ça, je vais le faire en vidéo. De toute façon, je vais pas l'oublier, je vous le dirai dans une prochaine vidéo si vraiment je le fais. Voilà, vous inquiétez pas, ça je vais pas l'oublier.
Et c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, voilà, je vais pas vous embêter plus. Je vous laisse avec l'ancienne intro, évidemment, qui est encore l'atelier de Monsieur Benoît, évidemment. Mais il y a une intro qui est en train de se préparer, qui ça va être du lourd. Je sais pas quand je vais la mettre. Bah, quand elle sera prête, quoi. Je peux pas vous dire une date exacte. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore l'ancienne intro avec le petit projet qui arrive, qui va juste suivre juste après ça, après l'intro évidemment. Mais par contre, il y a quand même une petite nouveauté dans cette petite vidéo, c'est l'intro de fin de vidéo. Alors voilà, j'espère que vous allez liker pour cette petite intro de fin de vidéo et tous ces petits trucs là, abonnement, commentaire, etc., etc. Du coup, je vous laisse. Allez, bonne vidéo à tous. Salut, c'était The Benma Workshop, Chandra Buggy. Bonne vidéo à tous. Salut tout le monde, c'est The Ben Workshop. Alors aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo, un nouveau projet qui va commencer. Et allez, ça recommence. Allez, hop, hop, à l'improviste comme d'habitude. Voilà. Non, aujourd'hui, en fait, je vais faire un projet, mais que j'avais déjà postulé, que j'avais déjà posté sur Instagram. Mais il y a eu un petit changement et je l'avais pas fait en vidéo parce que je l'avais présenté sur Instagram, comme vous l'avez vu sur mon logiciel, mais en photo. Là, je vous le montre en vidéo. Du coup, là, j'ai changé. J'ai changé tout un concept qui va me coûter moins de matière. Bah, qui va me coûter beaucoup moins de matière que celui d'avant. Alors, celui d'avant, je vais pas vous le montrer comme ça. Vous avez qu'à regarder sur mon Instagram. Marqué sur Instagram, The Ben Workshop. De toute façon, vous l'aurez dans la description, mon Instagram. Et comme ça, c'est plus rapide et voilà. Sinon, c'est marqué, sinon vous marquez Muniz et Benoît ou vous marquez The Ben Workshop, vous allez le trouver. Voilà, allez, sans tarder. Ah ouais, d'accord, je vais voir. Sans pas tarder, bon, bref, vous m'avez compris. Allez, hop, on commence, allez, tout de suite, hop, allez, on attaque, allez, hop. Pas de temps de discuter, de choper, allez, hop, on attaque, allez, hop, c'est parti. Ça commence bien encore cette vidéo. Je sais pas pourquoi, je sens que toutes les vidéos, ça va toujours être un mode déconnage. Déconnage, ouais, bien sûr, Benoît. Bien sûr. Déconnage. Ouais. Vous savez ce qu'il a sorti? Il a sorti en vidéo, déconnage. Ah là là, sacré. Ah, je vous jure, je suis un sacré. Je vous jure, c'est un secret. Allez hop, sans pas tarder. Tac. Je pense que vous avez compris le concept. Après, si vous avez pas compris le concept, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je peux vous expliquer en petite vidéo. Je vais essayer aussi de faire des petites vidéos. Ou peut-être faire des montages. Je sais pas encore. Pour l'instant. Mais là, je sais que si je tarde pas trop pour ça, assez rapidement. Ça peut le faire. On peut faire ça assez rapidement. Top chrono en 5 minutes. Oh, peut-être 10 minutes. 10 minutes, c'est plaisant. 10 minutes, c'est plaisant. C'est plaisant. Hop. 140. Hop. Point flèche. Ou un point virgule, Benoît. Point virgule, Chopper. Point virgule. Oh là 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 là. Oi oi oi. C'est impossible celui-là, mais c'est impossible. Par contre, celui-là,
Je vais pas faire un copier-coller parce que c'est pas du tout le même. Et ça m'embête. Vous allez comprendre pourquoi c'est pas le même. Parce que là, c'est le dessus et le dessous. Ça, c'est le côté. Mais c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Mais par contre, c'est la même dimension, évidemment. Mais ça va pas être les mêmes. Parce que si je vous fais un copier-coller, le problème, c'est que vous allez voir par la suite, ça va me poser un peu un petit souci technique. Voilà. Hop, on met 15, tac, 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 recomposant, créer un composant, tac, 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 hop, hop, hop. Bon, on va déjà faire ça aussi. Comme ça, c'est déjà fait. Il y a des, franchement, il y aura, de toute façon, je pense que je vous l'aurais expliqué dans une petite vidéo juste avant, cette vidéo qui commence, que il y a un truc qui va arriver, mais un truc, mais qui va arriver, mais alors là, ça va être du lourd. Par contre, vous allez voir un truc qui va être à la fin de cette vidéo. Ça, par contre, vous allez le voir déjà. Mais il y a un autre truc que vous allez pas voir pour l'instant parce que je travaille encore dessus. Mais oh, mais qu'est-ce que je fais, moi? C'est pas possible. Je veux aller trop vite, hein. Je veux aller trop vite. Mais tu veux aller trop vite, Chopper. Oh là 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 là. C'est pas possible, celui-là. Mais c'est pas possible. Là, je vais tellement aller trop vite, je suis sûr que je me suis trompé de mesure. 115 sur 160, 60, ouais, c'est bon, c'est ça, c'est ça, c'est bon. T'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance, sinon t'allais prendre une claque. Moi, je te le dis. Moi, je te le dis, Chopper, t'allais prendre une claque, moi, je te le dis. Eh ouais, Pépère, qu'est-ce que... Non, c'est bon. Ah. Hop. Au revoir. Celui-là, on le met comme ça. On le met debout. Voilà. Celui-là. Non, raté. Hop. Hop. Comme ceci. Celui-là, tac, tac. On le met debout. Voilà. Celui-là. On va le mettre. On va le laisser là. On va le laisser là. Au pire, comme ça. Hop. On fait ça. Tac. Celui-là, on le met là. Hop. 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 Hop, hop, celui-là, il va venir vers moi, tac, voilà, oh c'est un petit truc, hein, c'est un petit truc, mais bon, en fait j'ai fait une petite modification, du coup, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il était bon alors, je sais pas, j'avais pas... Hein? Ah oui, mais non, c'est moi qui... Non, non, il est bon. Ah voilà, chaque fois ça recommence. J'ai l'impression qu'il n'y a pas droit, mais en fait, si, il y a droit. Là 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 là. Voilà. En fait, c'est tout simple. Là, normalement, ce que j'avais prévu de base, normalement, c'est que là, normalement, il n'y avait que des planches. Des planches, 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 planches. Maintenant, c'est fini. Maintenant, ça sera tout des entailles, en fait. C'est des entailles qui vont se trouver sur ces planches-là et ici. Voilà, c'est tout simple, c'est pas très compliqué. Par contre, moi, ce que je vais faire, parce que je sais que c'est un peu long à faire, et j'ai pas envie de faire en vidéo, bah vous le montrer comme ça, parce que c'est un peu casse-tête. Je vais vous en montrer une seule endroit où je l'entaille, et on se retrouve juste après, quand j'aurai fait. Bah, voilà, je vous présente la première entaille, après je vous fais une ellipse, et vous verrez le rendu final. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais bouger. Ce que j'ai prévu, c'est que vous allez voir, c'est long. Hein, c'est alors là, normalement, j'ai prévu 10. J'essaie de pas me tromper. Hein. Bah, au pire, de toute façon, je sais que là. Sur ici, il y a 15. Voilà, sachez que là, ça c'est bon. Que ça, ouais, c'est ça, j'avais prévu 14. 14. Tac, comme ceci.
Par contre, ouais, c'est pas, non, c'est parfait, c'est ça. Non, c'est bon. Parce que je fais pas à l'intérieur du composant, parce que sinon je vais avoir un souci. Du coup, là, je fais à l'extérieur du composant. Et quand je vais faire modifier le composant, là, c'est à ce moment-là que je vais tracer mes traits. Et comme ça, quand je vais quitter le composant, quand je vais bouger ma pièce, tous les petits points que j'ai fait, le trait que j'ai fait là, les deux petits points que j'ai fait là, ils vont rester. Ils vont rester là. Et ma pièce, je peux la bouger sans avoir les points, les trucs. Attends, de toute façon, vous allez voir, je vais vous montrer un exemple. Tac. Et après, ici, ça va être un 2, 5. Voilà. Là, c'est tout simple. Là, je vais rentrer dans le composant. Je vais faire modifier le composant. Là, je vois rien. Mais on voit, en fait, je fais mes petits points légèrement. Là, je trace mes traits. Tac. Qui va. Là, je sais que c'est tout droit parce que c'est fait exprès. Hop, toi, tu pars. Tac. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Hop, on quitte de là. Ouais, c'est bon. Tac. Tac. Et tac, comme ceci. Tac. Et là, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, quand on se rapproche, si vous voulez, voilà, ça fait une petite entaille. Voilà, tout simplement. Voilà, comme vous voyez. Et en fait, pourquoi j'ai mis 15? Parce qu'en fait, c'est simple, c'est le panneau qui est là. Voilà. C'est pour pas faire tout complet. Parce que sinon, vite derrière, après, on va avoir des entailles. Mais c'est pas propre, c'est pas joli. Du coup, comme ça, là, on voit pas. Et c'est largement suffisant. C'est largement suffisant la mesure. Ce qu'on prend de là, et on prend à peu près de là, il y a 125. 125, c'est 12,5 cm. Et le CD, justement, c'est largement suffisant pour que juste un CD classique comment dire, de 1 cm. C'est pour ça que moi j'ai prévu 14. Comme ça, il coince pas, et voilà, c'est parfait. Voilà, c'est tout simplement. Voilà. Voilà. Et là, bah, du coup, ce petit projet-là, bah, de toute façon, je vous dirai quoi juste après. Mais là, je vous dis pour vous, à tout de suite. Monde, et voilà, j'ai terminé. Bah, non, mais t'es pas marrant, là, y a rien. Mais si, j'ai terminé, je rigole. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors. Je vous explique pourquoi je voulais pas faire un copier-coller sur les deux côtés. C'est très simple, parce qu'en fait, si, c'est très simple, pour vous montrer, si je fais un copier-coller, par exemple, là, je l'ai fait une fois, je le colle de ce côté, j'ai un souci, parce que c'est pas le même. À un moment, il doit se retrouver l'autre côté. Voilà, c'est tout simple. Mais, vous allez me dire, ouais, mais tu peux le retourner à l'envers, etc. Ouais, je peux le retourner à l'envers. Mais c'est juste que là, moi j'ai commencé à 10 et que moi en haut, je me trouve ici à 14. Du coup, si je le retourne, ça va pas aller. Ah, mais tu peux tout décaler. Bah oui, mais voilà. C'est si jamais il y en a qui me le voilà, qui me font la réflexion, ça va pas. Voilà. Alors, je sais pas à quelle heure j'avais à un moment. Je vous ai mis en pause, mais voilà. J'ai duré un peu longtemps. Parce que c'est vraiment casse-tête parce que je dois vraiment mettre cotation par cotation. C'est-à-dire que je vais mettre 10, après 14, après 10, après 14, après 10, après 14, après 10, après 14. 1 heure après. 10, voilà, vous avez compris. Et après, ben, j'ai dû tracer tous les traits là, traits là, traits là, traits là, traits là, tac, tac. Après, j'ai dû rajouter tous les petits traits, 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 après traits, traits. Très, et après, et tout, après, tout crasé, voilà. Voilà, vous m'avez compris. Ça a duré longtemps, du coup, voilà. Du coup, voilà ce que ça. Comment ça se termine. C'est plus joli, c'est propre. Là, en hauteur, bah, ça donne comme ça. Hop, on va monter un peu plus haut. Voilà. Et du coup, le CD va se retrouver ici. Tac. Voilà. Et c'est pour ça que je veux pas la rainure, je veux pas la faire au fond du panneau, parce que si je la fais au fond du panneau, ça va dépasser, ça va pas être propre. Là, je veux vraiment faire un truc propre.
que ça coûte beaucoup moins de matière et voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Bah c'est voilà, faisons le projet est terminé. Alors là, est-ce qu'on peut, si on peut calculer, si vous voulez qu'on compte, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On peut mettre 15 CD. 15 CD. Ce que j'ai fabriqué. La taille un peu classique que je fabrique. Que j'ai fait comme les miens à peu près. Alors si vous voulez, avoue que je vous laisse pour pas que ça fait trop long. Parce que je sais que ça fait à peu près plus de 10 minutes. Parce qu'avec la suite et tout, je sais, j'ai regardé, j'ai vu. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Avec ça. 140. Voilà, si vous voulez à peu près la hauteur. Sinon, il fait 39 cm. 39 cm de hauteur. Il fait 145 sur 140. Et sur 390 de hauteur. Voilà, c'est pas. Voilà quoi, c'est voilà 39 cm de hauteur. Si voilà, ce projet évidemment il sera sur quelque chose que vous aurez entendu dans l'intro juste avant, mais je peux vous le dire, je peux le répéter si vous voulez. Je suis en train de me faire un site internet du coup de tous les petits projets qui sera à vendre. Il y en aura d'autres, bah, ils seront pas à vendre parce que c'est mes projets personnels et que voilà. Soit je trouve ça un peu classique comme truc, des lecteurs CD pour mettre ces CD de musique, mais bon après je sais que on est plus trop dans un monde où on a des lecteurs CD, on a plus du téléchargement, où on a des abonnements sur Spotify ou autre chose. Bah, après il y en a, bah ils aiment bien quand même collectionner leurs CD de leur artiste préféré ou autre, voilà. Et après, bah, vous pouvez l'acheter pour offrir à de la famille ou autre. Du coup, bah, ça sera à vendre sur mon site, mais pour l'instant, je peux pas encore le mettre à vendre. Mais c'est pour ça que je suis en train de le faire en vidéo. Je l'ai fait en vidéo parce que ça, je l'ai modifié. Et voilà quoi. Façon dans l'intro, façon vous aurez des informations, bah, que normalement que j'aurais dit, que là je vous dis pas maintenant parce que bah, je l'ai déjà dit. Voilà, ce que j'ai pas envie de faire de la répétition. Waouh, de la répétition. Ouais, super, un mot gagnant pour ce soir. Le mot magnifique pour ce soir. Allez, tout est dans ma description. Mon Instagram, ma chaîne YouTube. Bah, tous les petits trucs, mon logiciel de montage, mon petit logiciel de 3D, tout est dans ma barre d'infos. Voilà, je vous laisse avec la petite intro de fin de vidéo. Allez, salut à tous, c'était The Ben Workshop. Bonne soirée à tous, bisous. Ciao!